agents collectivement avec lui en 1975, c'est donc historique. Donc aboutissement historique, et puis ça arrive à un moment où RERNG est arrivé, l'année prochaine c'est le TZN4, tout ça c'est évidemment formidable pour la mobilité sur le territoire et sur la commune. Oui, ça c'est un enjeu majeur, à la fois de lien entre le RERT bien sûr avec ses souffrances du quotidien, mais également avec le C et le B, mais c'est aussi, on en parle beaucoup entre élus sur l'agglomération notamment, c'est enfin, pour nous, territoire de Grande Couronne, je pense que Valérie et François l'évoqueront, une forme de métropolisation, de reconnaissance de notre rôle dans le polycentrisme à la francilienne, pour le dire ainsi. Et c'est vrai qu'en quelques mois, ici, sur ce territoire, là, on est vers le nord pour le T12, on ira aussi vers le sud, puisqu'à Corbeil, Jacques Pitard, qui représente Bruno Perriou avec la TZN4, notamment, l'arrivée du RERNG sur le RERD, on est dans ce phénomène de métropolisation. Et on voit bien d'ailleurs, je suis aussi président de Génopôle, l'attractivité déjà qui déborde de cette arrivée des transports. Mathieu Chabanel, président de SNCF Réseau, cette mise en service du tram-train aujourd'hui, c'est le quatrième mise en service que vous faites en 6 ans. C'est à nouveau aussi quelque chose d'important pour SNCF Réseau et un gros coup de chapeau à passer aux équipes qui ont mis ça en place. Ce tram-train, c'est le quatrième qu'on met en service après le T11, le prolongement du T4, le T13 et aujourd'hui le T12. C'est une très grande satisfaction parce que c'est un mode de transport qui apporte beaucoup de services et qui combine maillage fin du territoire et l'efficacité et la rapidité du train. Ce projet, il a été possible uniquement grâce à l'engagement de l'ensemble des équipes, des maîtres d'ouvrage, Île-de-France Mobilité, SNCF, mais aussi des entreprises partenaires, et puis aussi des services, des collectivités et de l'État sur le territoire qui permettent l'insertion de ce projet. Et ça, c'est extrêmement précieux, c'est vraiment une œuvre collective de l'ensemble des acteurs du territoire. Comme le disait Stéphane Baudet, c'est pas la seule action qu'on mène dans le nord de l'Essonne ou dans l'Essonne. On a beaucoup de projets. On a à l'autre bout du tram-train à Massy le projet de Massy-Valenton-Ouest qui va permettre de fluidifier entre le TGV et le RERC l'utilisation des voies. On a la régénération du réseau. On sait, on est conscient des difficultés qui existent aujourd'hui sur les RER, la qualité de service qui doit s'améliorer. Il y a un effort massif de régénération du réseau. Ça s'est traduit l'été dernier par le remplacement de ponts très spectaculaires à Massy. C'est un effort qu'on va continuer, qu'on doit continuer pour améliorer cette qualité de service au service des habitants de l'Essonne. Christophe Lanichet, président de SNCF Voyageurs. En quoi c'est une bonne nouvelle ce tram-train pour les habitants du territoire si on raisonne en termes d'offres et en termes de services que va proposer le tram-train T12? Ce tram-train, ce T12, c'est une double bonne nouvelle. D'abord, c'est une bonne nouvelle pour les voyageurs. Et puis c'est une bonne nouvelle pour le territoire, c'est 12 villes qui vont être desservies grâce à ce tram-train. Et puis ce T12, c'est véritablement une brique de la transformation du RERC. Cette semaine, on a inauguré la ligne B, aujourd'hui on inaugure le T12. Ce sont vraiment de bonnes nouvelles pour le RERC. Comme le disait Mathieu à l'instant, sur le RERC, on sait qu'on a quelques difficultés, mais je le redis ici, vous pouvez compter sur le plein engagement de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs pour relever les difficultés que nous rencontrons. Mais pour revenir sur le T12, bah oui, c'est... Exactement, François Durovray. Monsieur Gaume. Tenez, Madame la Présidente. Mais je vous en prie. Alors, on va se mettre. Je vais nous... Alors... Président Chabanel, président Fenichet, mettez-vous par ici s'il vous plaît, Stéphane Baudet à côté. Voilà, ah oui, non, on a donc protocolaire. François Durovray, monsieur le préfet, madame la présidente peut-être, ici, voilà, à côté de François Durovray, voilà, merveilleux. 60, donc ça mérite d'être un petit peu plus. Alors, on va vous apporter maintenant la corde qui va vous permettre de nous révéler cette magnifique rame Citadis Dualis du tram-train T12. Donc voilà, vous partagez. Voilà. Merci messieurs. Et on va faire... Non, pas encore. Non, on attend un petit peu encore. On attend un petit peu. Non, ben non.
Bah non, ça va pas être possible. La rame arrive. Voilà. La rame. 5, 4. Alors, je sais pas, j'ai ordre contre ordre. Allez, on y va. 5. Quatre, trois, deux, un, deux. Elle arrive. La voilà. Applaudissements, s'il vous plaît, pour cette rame inaugurale du tram-train du 12. Ah, voilà. Ouais, j'ai vu. Aucune idée. Tous les champions. Et après, il y a Arnaud. Allez.
déjà fait Mario, il n'a pas participé en... Quand non, il avait dit. En ouais, ça je l'ai pas s'occuper. En commission disciplinaire. Du coup, qui n'avait pas participé, c'est bien fait pour lui. C'est parti. Ah, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est parti, les gars. Départ de tous. Ah là, c'est bon. Allez, c'est parti, les gars. Départ de tous. Départ de tous, c'est bon. Allez, allez. Comme ça. Ah, c'est 14.